T'as un torticolis thoracique, c'est-à-dire que tu as mal par ici, donc les douleurs qui remontent sur le côté. Quand tu tournes la tête, en fait, il y a un côté ça va très bien et l'autre, tu as perdu de la mobilité et ça te crispe tout le cou, tu as des douleurs dans le cou, hein, mais ça part vraiment depuis le thorax. Dis-toi que c'est le longissimus qui a un problème et parce que la vertèbre est un peu déviée sur le côté. Et je vais te montrer un exercice pour la remettre un peu dans l'axe, comme il faut, pour tout simplement que le muscle longissimus soit moins tendu. Et de suite, ça va te relâcher tout le trajet, parce qu'il part de là-bas, il vient jusqu'ici, hein, jusqu'en haut. Du thorax jusqu'en haut, s'il est relâché, les autres muscles travaillent correctement. Et pour le relâcher, c'est assez facile. On va utiliser l'exercice de la balle dans le dos. Bon, je t'explique, hein, c'est pas très compliqué. C'est une balle de tennis classique, c'est un peu dur pour moi qui souvent mal au dos parce que j'ai une belle scoliose. Mais tu en as de différentes résistances. On voit une molle si tu n'es pas sûr de toi. Et l'exercice est assez simple. Il suffit de s'allonger dessus. Hop, et voilà. À côté de la colonne vertébrale, hein, juste à côté. Pas sur très très loin, mais tu sens au milieu, c'est dur. C'est tes épineuses qui sont là, tu te mets juste à côté, et là ça va te faire mal normalement. Du côté où tu as mal. Et t'attends, tout simplement. Et au bout de 45 secondes, la douleur, elle va diminuer, elle va fondre. Et après, je me déplace, touc, 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 pour chercher un autre point. Et puis j'attends, et mon nouveau point va diminuer aussi de douleur. Et après, évidemment, je peux tester l'autre côté. Et il y a souvent, de l'autre côté, d'autres endroits aussi qui font mal. Et cet exercice va permettre de regagner de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale et de longissimus. Après, ce muscle-là, sur la vertèbre qui est un peu sur le côté, elle sera bien dans l'axe et le muscle va pouvoir travailler normalement. Tu auras beaucoup moins de gêne et de douleur et tu pourras tourner ta tête beaucoup mieux. Bon, ça paraît surprenant, mais tu vois, balle dans le dos pour des douleurs qui partent depuis le dos et avec des limitations de rotation de tête, ça marche très très bien. Est-ce que je peux te donner une astuce? Oui, astuce, c'est pour pas que ça revienne. Tu vois, ça va revenir. Si tu es comme ça, très penché en avant, t'es enroulé en avant, les douleurs vont revenir. Il faut essayer de garder cette posture de super saiyan, d'être fort en extension le plus possible. Si tu veux en apprendre plus, tu veux voir les autres postures, j'ai posté plein de vidéos qui en parlent, et qui expliquent tout ça plus en détail. Il y a d'autres exercices aussi, hein, parce que évidemment, si ton longissimus est bloqué, ton cou va se bloquer. Tu peux faire une recherche par mots-clés avec Gilou et ton problème, et tu vas sûrement trouver ce qu'il faut. Je fais plein de vidéos et normalement elles sont bien référencées. Enfin, j'espère.